Salut les petits gnous, c'est Gerga pour un flash info. Carlos Ghosn, vous vous rappelez du pignon là, qui s'était barré dans une malle de contrebasse là. Eh ben la justice française a émis un mandat d'arrêt international. L'ex-patron de Renault-Nissan, poursuivi pour abus de biens sociaux et blanchiment d'argent, est sous le con d'un mandat d'arrêt international. Ouais, bon, je suis pas bien réveillé là. Donc. Alors, une nouvelle épée. On remarque, réveillé ou pas, je me mords la langue quand je lui dis un truc. Une nouvelle épée de Damoclès est au-dessus de sa tête. Et Carlos Ghosn, ancien patron de l'alliance Renault-Nissan, est désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré le 22 avril par la justice française. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là en ce moment, la justice française? Il y a Ernest Antoine qui se fait taper sur les doigts. Enfin. Il se fait taper sur les doigts avec une règle en balsa, hein, ça va, parce que bon, 79 millions détournés, enfin détournés mis à l'abri du fisc, pour c'était combien? 37 500 de frais, de frais de. Putain, je suis bien réveillé, ouais. Enfin bon, bref, voilà, il doit payer 37 500, pas énorme. Alors, j'en étais où avec tonton Carlos là? Une procédure mise en place dans le cadre d'une enquête instruite à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, notamment pour abus de biens sociaux, blanchiment, a indiqué le parquet de Nanterre contacté par l'agence France Presse. Si le mandat d'arrêt est exécuté, Carlos Ghosn sera directement présenté à un juge d'instruction de Nanterre qui lui notifiera sa mise en examen. Le franco-libano-brésilien, quel bordel, qui devait être jugé à Tokyo pour malversation financière, vit à Beyrouth depuis sa fuite rocambolesque du Japon fin 2019. Ouais, les Japonais, ils étaient pas prêts. Hein. Ouais, ils pensaient pas qu'il y aurait autant d'indignité. Pour eux, on assume comme un bonhomme, lui, il s'est barré comme un rat. Donc, évidemment. Alors, la justice française s'intéresse à près de 15 millions d'euros de paiements considérés comme suspects entre le groupe Nissan Renault Mekoui et le distributeur du constructeur automobile français à Oman, Souhaïl Bawan Automobile, SBA. Le juge d'instruction de Nanterre en charge de l'enquête a délivré 5 mandats d'arrêt internationaux au total. Il vise, outre Carlos Ghosn, les propriétaires actuels ou ex-dirigeants de la société omanaise SBA, a précisé le parquet. Il ne s'agit pas d'un mandat d'arrêt émis par la France, mais par le tribunal de Nanterre lors d'une instruction en cours, plus précisément par le parquet de Nanterre, a réagi auprès de l'AFP un des avocats de Carlos Ghosn, Jean Tamalet, du cabinet King and Spalding. Oh yeah. Un mandat surprenant. Ce mandat est très surprenant car le juge d'instruction et le procureur de Nanterre savent parfaitement que Carlos Ghosn, qui a toujours coopéré avec la justice, ouais, fait l'objet d'une interdiction judiciaire de quitter le territoire libanais. C'est pas grave, ils m'enverront dans une malle. Il a l'habitude, a ajouté monsieur maître Jean Tamalet lors de leurs investigations. Les magistrats de Nanterre s'étaient déjà déplacés 2 fois à Beyrouth. En février dernier, ils y ont auditionné 2 témoins au mois de juin précédent. Ils avaient procédé avec les magistrats de Paris à l'audition libre de Carlos Ghosn pendant 5 jours pour les enquêtes le visant à Nanterre et à Paris. Bon, bah voilà. Il y a un truc rigolo, faut que je le retrouve. 2 secondes. Ouais, voilà, j'ai fait une petite pause histoire de retrouver ça. Alors, il est déjà en train de faire le malheureux, hein. J'ai été coupé pendant 2 ans et demi depuis mon C'est retour ça. du Japon de tous mes dossiers, de toutes mes archives. Je Pauvre n'ai eu loulou. accès à aucun de mes ordinateurs, aussi bien chez Renault que chez Nissan, pour pouvoir présenter les documents pour me permettre de me défendre. Il a fallu que j'aille les chercher un par un. Aujourd'hui, je suis prêt à me défendre. J'ai réuni suffisamment d'éléments pour que la justice se prononce enfin. Et je signale, ceci n'est pas un verdict, c'est un processus qui est en train de se terminer pour ouvrir finalement la porte à ce que la justice se prononce. Alors, à votre avis, Chichi jusqu'à la mort ou ouais, il va passer sous le radar tranquillement ou il va se planquer encore dans une république douanière quelconque hein? Bon, je sais pas ce que ça a donné. Allez, c'était le Flash Info. Bisous, bisous les petits gnous.